Oui, Frédéric. Laura est avec nous pour nous parler de l'actualité de la toile, avec aujourd'hui une question d'infidélité. Oui, les femmes footballeuses et les femmes peuvent être infidèles aussi, même si cela est toujours aussi mal perçu selon un sondage IFOP réalisé sur 5000 européennes. La France arrive quand même deuxième du podium. 37% des Françaises avouent avoir déjà une relation extra-conjugale. 37%. 37%, on est juste derrière l'Allemagne. Ah oui, les ouais. Allemandes, tiens. Les 43%. Est-ce que ça mesure la franchise ou l'infidélité? Ça mesure celles qui osent avouer qu'elles ont été infidèles. Mais 77% d'entre elles avouent que c'est toujours très mal perçu, contre 23% chez les hommes. C'est vrai, quand une femme est infidèle, on dit bip, 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 je ne dirais pas non. Et quand un homme est infidèle, on dit c'est un coureur. Voilà, il faut rétablir les choses. Merci beaucoup, Laura.